Cette grâce. C'est cela que je dis toujours aux gens. Vous n'êtes pas délivré parce que vous n'êtes pas tombé sur les spécialistes. On peut être homme de Dieu, mais ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas notre la délivrance. Or, les gens, ils viennent mélanger tout. Ils sont appelés à la prophétie, ils ne sont pas appelés à la délivrance. Ils viennent mettre tout ça ensemble. Donc, ce n'est pas qui délivre. Je vous répète encore, si un pasteur vous dit, allez vous faire délivrer, vous-même, il ment. Il ne peut pas. Donc, le problème, au lieu de recommander un spécialiste aux gens, il ne veut pas. C'est ça le problème de notre milieu. Au lieu de dire, ah, c'est telle personne qui délivre, ils vont commencer à les vilipender, l'attaquer, les délivrer, tout ça. Amen. Ben, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous fortifie. Le Seigneur est puissant. Amen. Les impositions des mains qu'on vient de vous faire, vous suivez seulement la semaine, vous allez voir que les choses. Il y a des gens qui vont donner les prophéties. Amen. Comme vous n'êtes pas délivré, je ne vous ai jamais avoir l'accomplissement. La prophétie s'accomplit quand on est délivré. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous rentrez dans le numéro prophétique, souvent quand on voit les gens parler, ils sont prêts à prophétiser dans les rues, dans les maisons, partout, dans ta vie. Tout ce qu'ils voient toujours. Ok. Mais tu vois, mais depuis là, tu n'as jamais encore vu l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été délivré. Or, si tu n'es pas délivré, bien qu'on ait révélé les choses sur ta vie, c'est eux. C'est eux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vous fortifie. Amen. Moi, je crois personnellement à votre délivrance. Amen. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Je vis chaque jour. Amen. Nous, à Divo, il n'y a pas un gars qui fréquente Divo qui n'a pas pris un miracle. C'est parce qu'il y a des images que vous ne voyez pas. Parce que pendant, il y a des séances pendant qu'on entend. Parce qu'on n'a pas de caméra. On n'a pas. C'est nos portables à nous. C'est ça, on prend pour vous-même. Ah ah, c'est ça là. Vous regardez, Gaïa. Nos Shintok. Nous, on fout plus même chez moi. Donc pensez à nous. Dans les débuts, c'était chinois. Tu vois, les images sont bizarres, chinois, chinois. Après, on s'est amélioré un peu. Vous avez beaucoup, non? Non, les gens pensaient à nous, ont mis des notes, des portables chichi. On peut pas maintenant avoir un portable, c'est le portable avec ta caméra, c'est épuisant. Mais on fait avec. Pourquoi? Parce qu'on a compris que depuis qu'on a commencé à parler du sujet, les gens commençaient à répondre foi en Dieu, confiance à l'Afrique. Et ça rejoue notre cœur. Parce qu'il ne faut pas que l'Europe vous bloque là-bas. Non, 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 non. Les gens disent, non, venez, il y a offre de travail au Canada. Vous ne voyez pas chômage là-bas. Vous n'avez pas chômage. Il y a des gens qui nous appellent du Canada, ils n'ont pas de travail. Ils ont doctorat quand c'est l'eau, ils n'ont pas de travail. Donc, je suis étonné. Vous pouvez prendre nos gars qui sont intelligents, on les travaille pour vous. Exactement. Vous allez laisser l'Afrique. Puis on met dans la tête, il y a des enfants qui sont venus dans ma casse. Ils leur ont dit, si vous venez en Afrique, les gens vivent dans les arbres, ils sont comme des singes. Angleterre. Ils sont venus me toucher. Les enfants m'ont dit, mais daddy, où sont les singes? Tu viens de nous, hein? Ils nous voient enseigner, branche en branche. C'est ça. Ils veulent que l'Afrique soit perdue. Qu'on oublie l'Afrique. Qu'on oublie l'Afrique. Tout ça. Or, ils savent, ils sont convaincus que sans l'Afrique, ils ne peuvent rien. Ils sont rien. C'est ce qui est vrai. Amen. Amen. Nous, chez nous, à Zaroko, on prend maman à boire des conseils, non, on n'est pas ça. Notre sauce qu'on a mangée aujourd'hui, là, on chauffe ça demain matin. Mais vous voulez pas, là, c'est pour 10 ans. Un plat de 1 dans un magasin. On n'a pas donné cancer. Vous voyez, une boîte. Chez nous, là, hein. Matin, c'est recouché. On a pas savoir. Vous boire de cancer. Vous êtes chaud sur pâté. Vous êtes chaud sur quoi? Chocolat. Que Dieu nous aide. Amen. Venez investir là. Amen. Je vous encourage. Venez investir en Afrique. Les Africains ont besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Oui. Alléluia. Amen. L'Afrique aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a fait le monde. Oui. La civilisation part de l'Afrique. Oui. Part de l'Afrique. Tout a commencé par l'Afrique. Oui. Or, celui qui n'a plus de regard tourné vers l'Afrique, c'est fini. Lui-même perd la prospérité. Oui.
Dieu compte sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vous consacrer au Seigneur, la grâce de Dieu, afin que tout ce que vous allez toucher commencera à prospérer. Amen. Parce que c'est écrit dans Deutéronome, Dieu bénira les œuvres de ta main. Amen. Que Dieu bénisse les œuvres de ta main. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous te bénissons parce que nous avons démarré avec toi. Nous avons foi et que nous serons totalement guéris et délivrés. Amen. Merci. Et au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Parce que concernant la délivrance, il y a Sylvie, il y a la dame qui est venue de Brique, de Londres, il y a aussi la dame, et puis il y a la famille, votre famille. Nous sommes ouverts à tout le monde. Demain, à partir de 18h, nous avons la rencontre. Vous ne manquez pas. Hein? Non, 16h, c'est spécial. Oui, et puis vous aussi, j'ai dit non. Non, c'est 5h30 du matin, nous avons un programme. À partir de demain, on va rythmer les choses. Il n'y aura plus de pause. Matin comme soir. On va vous enseigner un peu l'aurore. On va vous habituer au rythme de Digo. Oui, c'est ça. On vous apprend beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses matin. Il y a des choses qu'on doit vous enseigner, les actions matinales. Amen. Amen. Il y a des choses. C'est parce que vous ne maîtrisez pas les choses et les choses ne viennent pas vers vous. Amen. Or, si vous percez les mystères, vous maîtrisez la spiritualité, l'argent n'a pas monté. Je vous assure. Alléluia. Il y a des choses que vous devez connaître. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus n'a pas fait prier. J'ai dit aux gens, Jésus n'a pas fait prier. La parole, c'est la nature. Amen. Vous voulez une chrétienté plat. C'est plat, on ne voit pas. Le ciel, c'est bien acquis. Jésus a parlé à la nature. Il a maudit le figuier, il a parlé au vent, il a calmé la tempête. Il a marché sur lui. Amen. Il y a une chrétienté plein. Amen. Amen. Je vais vous montrer comment on parle à la nature. Comment on parle à la journée. Tout ça, je vais connaître. Alléluia. Il y a des choses qu'on va vous apprendre au fil du temps. Au fur et à mesure, on va vous apprendre. Alléluia. Amen. Il y a des choses quand vous maîtrisez, l'homme de ta vie doit forcément venir. Amen. Il y a des choses quand tu maîtrises, quand quelqu'un te voit, il est obligé, il coupe 20 dans la vie. Ouais. Amen. Amen. Entre Satan et Dieu, qui copie son camarade? C'est Satan. Ok. Vous avez la révélation. Amen. Amen. Il n'a rien inventé. Il coupe. Voilà. Donc il jouait ça. Sinon, Satan, il copie si Dieu. Il parle bagatelle accident. Non, à ça. Je dis aux gens, non, assis, vous prenez bac, vous donnez cancer de doigt, vous mettez ça devient vert. Non, assis, c'est dans nos soins. Parce qu'on a Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. Vous parlez comme ça en Afrique, de quoi? Vas-y, dis assis, c'est pas c'est bac. Assis, c'est dans Isaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Moi, j'ai anti-bac. Amen. Isaïe 54, verset 17. Âme, c'est pas physique. Alors, si ça vient comme moi, ça va sans une peau. Avec peau, ça fait peau. C'est l'eau qui soit dedans. Comment on peut filer c'est un doseau, ça rentre pas. Même toi, tu crois, ça rentre sur toi. Non, vous savez, la chrétienté défend, ça dépend de votre foi. Si vous voyez que Jésus, c'est pour le ciel, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit. Ça veut vous-même précipiter votre mort. La nouvelle Jérusalem, moi je l'ai réveillé. Il est parti. Il y a des choses. Je vais y aller. Je vais y aller. Moi, il y a des chants, je ne chante pas. Alléluia. Amen. 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 Nous avons tout. Nous avons tout. Si vous maîtrisez la spiritualité, il y a des choses. Quand quelqu'un a affaire à toi, il n'est plus à l'aise. Amen. Amen. Il faut que les gens aient peur de vous. S'ils n'ont pas peur de vous, ils vont vous toujours effrayer. Moi, tu as affaire à moi. Va sur la mer, je vais t'attraper. Va, non, rentre quelque part. Je connais ce qu'on appelle action prophétique. Je connais le camp. Amen. Quand on a Dieu là, on a le ciel avec nous. Amen. C'est pour ça que Élie parlait pas beaucoup. Il a dit au prophète de parler de quel il réalisait. Il a commencé à parler quand il parlait. Il criait. Il dit, va aller à Sokosi. Va aller à Morocomor. J'ai un grand supermarché, c'est ça. Va aller là-bas, il a fait marcher. À 15, il dit, stop. Quand la parole du ciel est descendue.
situation. Il dit, le Dieu répondra par le fait. Sera le Dieu qui sera adoré. Ça veut dire qu'il parle, c'est pas lui qui doit répondre, c'est Dieu. Toi, tu sais que Dieu est bien les miens. Moi, si Jésus ne faisait pas quelque chose, je n'allais jamais aller à l'église. Je suis allé à l'église, on me dit, je vais aller au paradis. Paradis, ça m'intéresse pas. Non, arrête. Je suis allé au paradis. Je vais vous faire le paradis. Je suis malade, sorcière vient me briser pour manger avec ma bouteille. Vous me voyez le paradis. Moi, je n'ai pas mouru. Moi, je me dis quand il disait, je sais que quelqu'un a envie de mourir. Il passe et me dit non, le paradis, il va me voir le paradis, les gens trouvent, si tu m'as dit quoi? Moi je vais éviter ça, toi Dieu, quitte-moi. Si tu as même mangé, ils m'ont braisé, ils sont en train de faire comment ils vont prendre un chéquier, la lâche la chéquier pour manger. Si c'est chaud, en train de brûler, toi tu me dis d'aller au paradis. Non, j'ai réfléchi ça. Oui, moi je voulais qu'il accepte. Oh, chez mes parents musulmans, c'est ça. C'est Dieu. Sorcier, tu manges avec là. C'est Dieu. Sans sacri, c'est Dieu. C'est Dieu. Sans arachide, c'est Dieu. Djoumbé, c'est Dieu. Oui, sans arachide. Oui. Oh, il y a ce qu'on appelle les sœurs du diable. On est tout ce que Dieu fait bon. Il va venir créer un malheur. Quelqu'un va te marier et puis la personne te laisse. Oui, lui dit c'est Dieu. Le diable est là, il faut attaquer. Il faut avoir le discernement, il faut faire la part des choses. Il y a le Seigneur, le diable fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les bonnes choses. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous crois dans mon cœur. Oui. Dieu va vous guérir. Amen. Vous serez délivré. Il y a une femme qui est venue, elle était malade, elle est sortie d'un coma. Elle venait de Londres. Sortie, l'ont cachée, l'ont envoyée à Divo. La dame là, qui est venue à son mari, Divo. On dit, elle ne peut pas prendre à bio. Bonjour monsieur, c'est d'elle. Elle ne pourra pas réagir. Dès qu'elle est touchée à terre, elle est dans les vidéos. Quand on a fini les 4 jours, les guéris, les parties à l'ombre. Amen. Ça ne vaut même pas 2 semaines. Amen. Moi, je m'en fous de ce que les médecins vous ont dit. Je m'en fous de ça. Ils sont limités, même ça. Non, mais c'est dit quoi, c'est dit quoi. Moi-même, ils m'ont dit ça. Je vois, je suis guéri. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont cancer. On a pris le préjugé de la guérir. Amen. On a prié pour les gens. Il y avait une dame en emploi, elle avait l'insuffisance de rénal. Maigrissait le poumon, le cœur, un problème. On allait en 4 jours, c'est fini. Amen. Elle a grossi. Celle qui a organisé la fête des mères à Divo. Si vous voyez la vidéo de la fête des mères, c'est la dame qui a organisé ça. Madame quoi, celle qui a organisé ça, elle était guérie. L'insuffisance rénale. Les sociaux sont mangés, ils ont mangé les rondeurs oignons. Ils ont bien fruit cette tomate. Tu veux un tomate, un oignon dedans. On vient dialogue dans les kiosques là. Et bien, elle était totalement guérie. Oh, les médecins disent non, mais l'on met ce traitement. Il dit, dégage traitement. Vous savez pas que les traitements ça vous enfonce? Quand on commence, ça va jamais, mais ça a vie. Exactement. J'ai fait courage dans la Zaroko, je m'en vais, j'ai diffusé. Je m'en vais, ma tension est montée quand, à 19. Oui, j'étais fatigué. Donc, je n'étais pas parti pour ça. Dans la clinique, on est 19. Le gars dit, mais c'est traitement. Je n'ai rien contre. Moi, j'ai fait traitement de tension. Le gars, lui, tu fais quel travail? Il dit, je suis pasteur. Il dit, tu arrêtes. C'est Dieu qui est toi. Il dit, moi, je n'ai pas venu pour ça. Peut-être qu'il a pris ma tension. Je suis fatigué. Donc, moi, tu ne devais pas m'attention. Ok. Je te dis que c'est 19, mais mec, il faut dégager. Dégage. Il faut demander qui je suis. Jusqu'aujourd'hui, il faut que l'attention prenne un médicament. Jésus n'est pas Seigneur. Puis moi, il est venu dire aux gens, Jésus guéri. Moi, il prend un médicament. Je suis malade ou bien. Amen. Moi, ma vie, c'est que témoignage. Moi, ma vie, c'est témoignage. C'est que Jésus a fait pour moi, c'est grand. Ma famille a été dissimée. Je suis le rescapé. Ce travail, je l'ai fait avec passion. Ouais, quand il y a d'abord des mondes, il manifeste ça. Je suis allé me venger. Amen. Amen, papa. Ils ont tué mon papa. Ma maman est morte. Mes frères sont morts. Les hommes qui m'écoutaient cher, on les a tués. Et vous ne voyez pas que moi, il y a quelque chose de vie. Moi, je suis venu comme ça dedans. Amen. Amen. Je suis en train de venger. Amen. J'ai pleuré ma vie là, c'est que je pleure sur moi. Chaque année, je pleure. Chaque année, on peut manger 2. Je pleure, je pleurais seulement. Et qu'est-ce que Jésus me dit aujourd'hui?
C'est pour ça que j'aime Jésus. Quand je me suis donné à Jésus, c'est celui qui est à côté, ils ont pris. Ils ont fait ça, ça a pris. Ils ont pris. Dès qu'ils m'ont loupé, ils jouaient ça. Ils l'ont pris en même temps, vite. Ouais, ils l'ont tué. Mais il est mort d'une manière terrible, il est mort de tension. Ça a déclenché. Paf, il a fait la chute. Coma. On détecte les yeux rénales. Il est mort à l'intérieur. Il n'était pas sorti. Il est mort. Oui. On dit, ah, c'est lui, on l'a loupé, sinon tu as de manger. Non. Manger. Viens. Jésus m'a délivré. Amen. Amen. Ce n'est pas un misement. Qu'est-ce que dans une famille, ça ne change pas. Que Dieu bénisse. Amen. Moi, je suis anti, je suis médicament des sorciers. Amen. De toute façon, tu as mal, tu as parastamol. Je suis parastamol des sorciers. Amen. Quand il me regarde, il fait un cauchemar. Il demande aux sorciers. Quand il dort, il voit le même grasso. Ils font un cauchemar, ils sont venus se réveiller. Chaque homme a sa grâce. Oui. Amen. Moi, j'aime affronter les grands sorciers. Je suis un homme de défis. Amen. Je ne suis pas d'ordre, je suis le seul homme de Dieu qui a lancé tous les défis aux sorciers d'accord. Il n'y a pas un. Oui. Ça, c'est. Il m'a dit à la télévision, il dit, si vous voulez envoyer. Pour moi, là, c'est pas. Allez-y voir. Je mets dans un village, il n'y a pas un qui broche. Lui qui veut parler, il va le prendre chez lui. Chez lui à domicile. Il y en a un grand, là où un sorcier me regarde, il m'attaque. Il a commencé à saigner du nez, la bouche, il est mort. C'est pas un Jésus dans l'amusement. C'est pas un Jésus, c'est moi, il ne fait pas Jésus. Pas un... Jésus ne fait pas de vous chrétiens, il fait de vous des esprits, des hommes puissants. Amen. Et quelle histoire de chrétienté, on ne voit rien dedans. Amen. On a l'église, mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est toi qui as demandé ça. Donc on a dit, il y a des chanteurs, je n'aime pas chanter. J'ai interdit ça chez moi là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Incitez-moi si la terre s'est née. Ma papille est dans les yeux, j'irai là-bas. Que Dieu nous aide. C'est les chants des gens vécus. Ils n'ont plus d'espoir, ils vont aller au ciel. Tu as fini de manger. Tu as fini de te marier. Tu as fini d'avoir voiture. Tu as fini d'avoir maison. Il faut vivre. Jésus, c'est la vie. Amen. Seigneur, Jésus, il m'en a aidé. Oui, ma patrie est dans les cieux. Je nous aide. Amen. Amen. Je n'aime pas les critères. Moi, je suis un homme de puissance. Amen. Une église où je rentre, il n'y a pas. Où on dit, on ne fait pas de livrant, je ne prêche pas. Amen. Quand je vais prêcher, le pasteur dit, j'ai fait combien de gens. Il dit, mais cet enfant, c'est mauvais. Il m'insulte, il prêche. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai commandé sur la terre en chaise, en train de casser chaise. Il a établi ce qui se passe. Frère, au départ, comme Jésus est puissant. Amen. Oui, Jésus. Quand il a fini le jeûne, la puissance de Dieu est venue sur lui. Il a démontré la puissance de Dieu. C'est parce que les pasteurs n'ont pas de l'onction qui critique les gens. Prenez vos chaînes afin d'attaquer les gens. Cherchez à avoir la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous êtes des choux.